Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une recette simple, rapide, bonne et économique, et rien que ça, qui vous permettra d'agrémenter à merveille tous vos apéritifs, et ce sont les blinis. Et on voit ça tout de suite après le générique. Alors réaliser des blinis, c'est quelque chose d'extrêmement simple puisqu'il ne faudra que 5 ingrédients, un pot de yaourt grec, on gardera le pot dans lequel on mettra, une fois vide hein, bien entendu, hein, dans lequel on mettra la farine, ça nous servira en fait de verre mesureur, d'unité de mesure, un pot de farine, un œuf, un demi sachet de levure et une pincée de sel. On mélange le tout et le plus long, c'est la cuisson. Donc une fois qu'on a tout mélangé, on laisse reposer un petit peu, mais on peut aussi s'en servir tout de suite. Voilà, c'est au choix. Allez, on mélange tout ça. On met le yaourt grec, on le garde. Hein. On va mettre l'œuf tout de suite. On remplit notre pot de farine, environ 4 cuillères à soupe. Quatre petites cuillères à soupe. On va le tamiser pour être tranquille. On va y mettre le demi-sachet de levure, la pointe de sel. Et voilà, comme vous l'avez vu, c'est hyper rapide de réaliser cette pâte à blinis puisque ça nous a pris moins de 2 minutes au final. Maintenant, on va la laisser reposer un petit peu. On n'est pas obligé, comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser tout de suite. Moi, je préfère la laisser reposer un petit peu. Le plus long dans les blinis, c'est la cuisson puisqu'il faudra compter quand même 10-15 minutes au total pour cuire les 24 blinis. D'un point de vue économique, c'est nettement plus avantageux de les faire à la maison. Puisque là, je suis sur un prix de revient en grosso modo de 3 euros du kilo, hein, avec, en calculant tout ce que j'ai mis dedans. Alors que si vous regardez dans le commerce, vous allez être entre 10 et 14 euros du kilo pour exactement la même chose, puis qui sera nettement moins bon. Donc faites le calcul, il n'y a même pas photo. Cette pâte, vous pouvez bien entendu la préparer à l'avance. Ça tient largement 12 à 24 heures sans aucun souci. Alors notre pâte à blinis a reposé quelques heures au frigo, on va pouvoir maintenant procéder à la cuisson, c'est sans doute ce qu'il y a de plus long quand on fait des blinis. Pour cuire les blinis, on va utiliser du beurre clarifié, donc je vous laisse la recette quelque part par ici. C'est quelque chose qui est vraiment pratique, le beurre clarifié c'est vraiment le couteau suisse du cuisinier. À partir du moment où vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc je vous montre tout de suite en gros plan la texture de la pâte, pour vous montrer comment elle doit être, et ensuite place à la cuisson. Donc voilà à quoi ressemble notre pâte. Vous voyez, on a quelque chose d'assez léger, d'assez mousseux et aérien. Maintenant, place à la cuisson. Donc pour notre cuisson, on va utiliser du beurre clarifié. Quand même un petit peu. Alors pourquoi j'utilise du beurre clarifié? Parce que ça a les mêmes propriétés que le beurre, sauf que ça ne brûle pas. Le beurre, à partir de 130 degrés, il commence à cramer. Donc vous allez avoir un beurre noisette. Parce que là, on l'a vraiment débarrassé toutes ces impuretés. On a vraiment un beurre qui supporte les très hautes températures. Avec ça, vous pouvez chauffer tranquillou jusqu'à 250 degrés. Même principe que pour les crêpes, hein, faut que ça parte sur une poêle bien chaude, sinon ça sert à rien. Donc on laisse bien chauffer la poêle. Donc là, on est pas mal. Là, on va faire 4 petits tas. Alors, je prends juste une cuillère à café. Je la positionne ici. Je tapote légèrement. J'essaie de faire quelque chose d'assez rond en tapotant. Ok. Et là, j'essaie d'en faire 4 dans ma poêle. Je vous conseille pas d'en faire trop d'un seul coup, parce qu'on maîtrise quand même un peu moins bien la cuisson. Pour en faire 4 ou 5. Mais pas la peine d'en faire beaucoup plus.
Voilà, dès qu'on a des petites bulles comme ceci, bah c'est signe qu'on peut les retourner. Voilà. Elles sont tout jolies, bien gonflées. On va pas les cuire trop longtemps. Voilà ce que ça nous donne. Allez, c'est bon pour la première fournée. On rajoute un peu de beurre clarifié. Et c'est parti pour la suite. Deuxième fournée. Les petites bulles qui se forment. Troisième fournée, quatrième fournée, cinquième fournée et sixième fournée. J'ai trop l'impression d'être passe-partout dans Fort Boyard. Avec ses clés. Cling ! N'importe quoi. Et voilà, c'est fini. Alors comme vous venez de le voir, faire des blinis, c'est vraiment pas compliqué. 2 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson pour réaliser donc ces 24 blinis. Je vais accompagner ces blinis d'un gravlax de saumon. Donc je vous mets la recette par ici. Et je vais aussi accompagner tout ça d'une petite sauce à base de crème, d'aneth et de citron. Et pareil, la recette, c'est par là. J'espère que vous êtes maintenant convaincu qu'il n'y a rien de plus simple à faire que des blinis maison et que maintenant c'est définitivement terminé les blinis achetés dans le commerce. Merci d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.